Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. En Algérie, grande panique de Tebboune et de Chingriha au sujet des manifestations en Tunisie. Les services de renseignement algériens mettent en garde le président de la République, Abdelmjid Tebboune, contre le risque de la propagation de la colère tunisienne sur l'Algérie. Il s'avère que l'Algérie pourrait être ébranlée à son tour par la vague de manifestations populaires contre la vie chère qui s'est abattue récemment sur la Tunisie. C'est la principale conclusion d'un rapport sécuritaire transmis par les services secrets algériens à la présidence algérienne, un rapport qui sonne l'alerte et demande au palais présidentiel d'El Mouradia d'instruire en urgence le gouvernement de multiplier les mesures sociales afin de soulager les souffrances des Algériens face aux pénuries récurrentes des produits alimentaires, de large consommation, ainsi que l'inflation galopante des prix de plusieurs produits de première nécessité. Le spectacle des manifestations populaires et émeutes est un danger qui est à prendre très au sérieux en Algérie, car le sentiment de colère populaire bat son plein, avertit le même rapport qui a formulé de nombreuses recommandations, parmi lesquelles renforcer le récit médiatique autour de la responsabilité de la mafia de la spéculation dans l'augmentation excessive des prix sur les marchés locaux. L'objectif est de faire croire à tout prix à l'opinion publique algérienne que l'État n'est guère le premier coupable dans les galères économiques et sociales endurées par la population. C'est pour cette raison que la justice algérienne multiplie depuis plusieurs jours les condamnations les plus spectaculaires à l'encontre de commerçants accusés de stocker illégalement des produits alimentaires et de spéculer sur leurs prix. La priorité absolue des autorités algériennes est d'éviter tout déclenchement de la contestation sociale qui pourrait raviver la flamme de la protestation populaire dans le pays, et l'actuel scénario tunisien constitue une préoccupation majeure pour les dirigeants algériens. Pour rappel, la colère gronde en Tunisie sur fond de larges pénuries et de forte inflation. Des milliers de Tunisiens ont manifesté samedi 15 octobre à Tunis pour dénoncer les politiques du président de la République Kais Saïd, au pouvoir depuis 2019, qu'ils accusent d'être responsables de la grave crise économique qui touche le pays. Mené par le Front du Salut National, une coalition formée par les partis d'opposition, dont le parti islamiste An-Nahda, les manifestants ont traversé les rues principales de la capitale tunisienne, appelant au départ du président « Va-t'en, va-t'en, Erhal, Erhal, révolte contre Kais le dictateur, le peuple veut limoger le président », ont scandé les protestataires. Les autorités algériennes craignent que cette colère populaire en Tunisie n'inspire la population algérienne pour l'inciter à son tour à recourir à la protestation dans les rues contre les mauvaises conditions de vie et la dégradation du pouvoir d'achat, comme ce fut le cas lors des émeutes de janvier 2011. Voilà donc, c'est un séisme quotidien au palais d'El Mouradia et à l'état-major des forces armées de Chingriha, les deux qui paniquent et qui craignent que les manifestations en Tunisie se propagent jusqu'en Algérie. Nous y reviendrons avec plus de détails. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez surtout pas de vous abonner à votre chaîne préférée, et si vous l'êtes déjà, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être toujours les premiers à écouter les nouvelles informations sur la chaîne.
que ce soit le jour ou la nuit, les premiers à écouter et regarder les nouvelles vidéos, mais aussi les premiers à suivre les nouveaux directs en live.